Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications, ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich. Après un premier échec, le Bayern va retenter sa chance pour enrôler le joueur de Liverpool de 29 ans, Sadio Mané. Le club allemand prépare une seconde offre pour le Sénégalais. Et si la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Liverpool au Stade de France avait été le théâtre du dernier match de Sadio Mané avec Liverpool, on peut légitimement se poser la question après les récents propos de Sadio Mané. Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N'y a-t-il pas entre 60 et 70% des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool? Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble. La volonté des supporters sénégalais est de voir Sadio Mané quitter Liverpool. Une destination semble se dessiner d'ailleurs. Il s'agit du Bayern Munich. Le géant bavarois s'apprête à perdre l'attaquant polonais Robert Lewandowski en fin de contrat dans un an, mais qui a exprimé publiquement ses envies d'ailleurs, du Barça notamment. Sadio Mané aussi termine son contrat en juin 2023 avec Liverpool, ce qui laisse un peu de marge de manœuvre aux Reds pour tenter de le conserver et de le prolonger. On peut même dire que les Anglais sont faits une raison qu'un départ à 30 ans de Sadio Mané n'est finalement pas une mauvaise chose. Liverpool ne souhaite pas non plus brader son joueur sénégalais Sadio Mané et a fixé son prix de départ d'environ 50 millions d'euros. Une somme que le Bayern Munich ne semble pas encore prêt à lâcher. Le champion d'Allemagne a proposé une première offre très loin des attentes des Reds avec une proposition de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, trop faible pour être accepté par Liverpool. Il va falloir élever les différents montants pour se montrer plus convaincant car le club anglais a une idée derrière la tête, financer le successeur de l'ancien Messin avec la somme que rapportera sa vente. Selon le Daily Mail, les Bavarois vont formuler une seconde proposition dans les prochaines heures qui sera revue à la hausse et elle se rapproche doucement des positions du club vendeur. Elle devrait être de 35 millions d'euros sans bonus d'après le média anglais. Reste maintenant à savoir si Liverpool acceptera cette somme ou cherchera-t-il à faire grimper les enchères afin d'avoir la meilleure enveloppe disponible pour s'offrir le remplaçant de Sadio Mané. Une chose est quasiment certaine, elle ne devrait pas suffire à couvrir tous les frais de ce nouvel avant-centre. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Sadio Mané au Bayern est une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.